Fidèles abonnés de la revue de presse d'Africa TV, bienvenue au cœur de l'essentiel de l'actualité de l'Afrique qui bouge. C'est le monarque chérifien qui ouvre le bal du jour. Le roi Mohamed VI poursuit sa conquête de l'Afrique de l'Ouest. Après le Mali, le roi du Maroc est attendu en Guinée-Conakry, une visite sur fond de crise sociale. Le confrère média guinéen titre à sa une, ceux qui veulent créer des troubles au jour de l'arrivée du roi du Maroc n'auront qu'à dire au revoir à leur famille pour de bon. Tels sont les propos du gouverneur de Conakry. Les manifestants auront été avertis. À bon attendeur, salut, la Guinée n'en finira pas avec les violences physiques et verbales. En Afrique centrale, le confrère panafricain œil d'Afrique, l'autre regard sur l'Afrique, revient sur ces femmes qui s'enrôlent dans l'armée pour défendre leur pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Le journal en ligne salue le courage de ces dames, dont les deux décennies de guerre et tentatives de déstabilisation de la République démocratique du Congo n'auront pas réussi à affaiblir le moral et le courage. et Rien ne fait peur à ces jeunes femmes. Qui ont réussi à s'imposer dans un environnement hostile. Heureusement que la guerre dans le Nord-Kivu est un lointain souvenir. Terminons notre randonnée du jour par Notre Afrique. Le magazine croit en savoir davantage sur les anciens chefs d'État africains. À la une de son numéro de février, La vie après le palais. Dans un document exclusif, le confrère est allé sur les traces des anciens chefs d'État africains. Abdoulaye Ouad, l'ancien président sénégalais, a créé un cabinet de consultance internationale basé à Dakar. Alors que l'Ivoirien Laurent Babo, l'ancien chef d'État, est au maître de la justice internationale. Le Raïs Osni Moubarak attend son jugement depuis son renversement du pouvoir en février 2011. En Égypte, le Malien Amadou Toumani Touré, déchu un 22 mars 2012, vit en exil au Sénégal. Le Mali et le Sénégal qui partagent les mêmes habitudes, à n'a certainement pas connu de difficultés d'adaptation. Mathieu Kérékou, l'ancien président du Bénin, semble très à l'aise dans son costume de retraité. Il s'est muré dans un silence, mais conserve toute son aura de chef suprême. Depuis sa résidence de Cotonou ou Anatitengu, Kerekou vit sa retraite. Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, est quant à lui l'une des recrues de l'Union africaine. Le Nigérian exerce une forte activité diplomatique sur le continent pour dénouer des crises ou pour superviser des élections. Fortune diverse pour les chefs d'État africains après leur départ du pouvoir d'État. Si pour les uns c'est la descente aux enfers, pour d'autres c'est la retraite dorée. Ces chefs d'État africains marquent un point final à la revue de presse de l'Afrique qui bouge. À demain pour un autre rendez-vous.